President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The floor is now given to the Defense Counsel for Mr. Kyusumpong. You may now. La parole est cédée à l'équipe de défense de Kyusumpong. Vous avez la parole. Mr. President, the Kyusumpong team has been kind enough to grant us 10 or 15 minutes. L'équipe de Kyusumpong a eu la gentillesse de nous accorder 10 à 15 minutes de leur temps. Examination of the expert. Je vais donc poursuivre avec l'interrogatoire de l'experte. Madame Nakagawa. Bonjour, Madame there's only one subject that I would like Il y a un seul sujet que je vais aborder avec vous en guise de suivi. That is something that I'm not quite sure if I understand fully. And that is that's the following. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris sur ce point. Talking about your first research. Lorsque vous parlez de votre première recherche. 1500 people. 1500 personnes. Received a survey. Ont été interrogées. 1500 people. About 100 were et sur ces 1500, 100 and about, ont été soumis à un entretien approfondi. 10 or so people were actually real eyewitnesses et une dizaine de personnes to a forced marriage ont été or, témoins oculaires de mariage forcé experienced such a personnellement marriage. Subi de tels mariages. My first question is the Ma première question est la suivante. The matter of representativeness la question de représentativité people. De ces 1500 personnes. That, this all started Sorry for interrupting, counsel, but you're actually asking a question I had too, and that before she answers it, is this actually a correct understanding Avant of what you said? Avant que vous ne posiez la question, the 10 people, je vais demander à l'experte. What number is this? Que représentent ces 10 personnes? I replied that approximately 10 réponse, people j'ai dit that I interviewed qu'une dizaine in de personnes que j'ai interviewées dans le cadre de And nos recherches ont été, out of the 100. Is that correct été soumis or not? À des mariages forcés. Et 90 no. sur les 100 ont été témoins oculaires. Est-ce exactement then de la juge Fentz réponse I non. Correct. La défense. Mes chiffres sont donc exacts. My questions are about representativeness. Ma question porte sur la représentativité. The selection process of these first 1500 people. Le processus de sélection. You have said earlier de ces that 1500 personnes to research initiales. Sexual violence vous avez dit que vous voulez mener des recherches sur la violence sexuelle sur le Kampuchea démocratique. Did these 1500 Survey recipients relate to sexual violence. In other words, were they already considered to be somehow connected or involved or victims of sexual violence? Avec les violences sexuelles, ont-elles été impliquées, ont-elles été victimes des violences sexuelles, d'une manière ou d'une autre? I think your question is about sampling. Réponse. Je crois que votre question porte sur l'échantillonnage. Sentinels, 50 sentinels, Nos sentinelles, 50 d'entre eux, my purpose was to collect savaient the stories of sexual que mon violences. Objectif était de recueillir les récits de violences sexuelles. Then it depend on the each individual sentinel, how tout dépendait de l'âge des sentinelles et de la manière de trouver les personnes. Étant donné qu'elles assistaient les femmes pendant de nombreuses années dans leur village, elles connaissaient ces sentinelles, les conditions de vie des femmes. Tout le monde ne pouvait pas identifier les hommes ou les femmes qui avaient souffert ou non de violences sexuelles. Ils ont donc dû interviewer les gens who are not apparently not the topic of our study. Qui ne portaient pas sur l'objet de notre recherche totally pour atteindre les chiffres qui leur ont été imposés ou assignés. One is interested La défense, in, très bien. What happened in general terms or generally, si l'on s'intéresse in relation to marriage à ce qui s'est in that time, produit en général en ce qui concerne les mariages à l'époque, Start with a random sample of ne serait-il unknown pas people.
exacte de commencer par un échantillon aléatoire de personnes. Par exemple, si on mène un sondage d'opinion pour les prochaines élections, il y a toutes sortes de règles que doivent respecter les personnes soumises à l'enquête. On ne peut pas avoir toutes les personnes venant des villes. On ne peut contacter que des gens d'une localité précise ou d'un âge déterminé. Il y a toutes sortes de règles. Mais ici, les 1500 personnes interrogées étaient déjà perçues comme ayant un lien avec les violences sexuelles. Est-il exact de dire que les 1500 personnes interrogées ne sont pas représentatives des hommes et des femmes qui se sont mariés sous le Kampuchea démocratique? That's correct. And as I am réponse, also teaching, c'est exact. J'enseigne aussi la méthodologie de la recherche dans mon université et c'est l'un des sujets sur lesquels je suis très stricte. Une fois de plus, je veux confirmer que la raison pour laquelle j'étais passionnée par cette recherche, c'était de documenter les actes de violence sexuelle sur le Kampuchea démocratique. La défense, je l'apprécie à sa juste valeur, mais nous sommes ici dans un tribunal. Il y a une tendance à voir si on peut tirer des conclusions générales des recherches. Cela dit, je vais avancer en disant que les personnes sélectionnées pour les entretiens approfondis étaient aussi perçues comme highly likely to have been a victim of forced marriage, correct? So there was another selection within the selection, rather than a unrepresentative sample of those 1,500. Ou témoin de violence sexuelle, et elle serait donc fortement représentative de ces 1,500 personnes. Est-ce exact? I do not think so, because my prime focus was réponse, sexual violence. Je ne pense pas. Mon objectif premier, so, c'était les violences sexuelles. Was secondary. Les mariages forcés venaient au second plan. But then I don't understand la défense. The selection process mais je ne comprends pas 100. Le processus de sélection de ces 100 personnes. Was the idea that they were much more likely to be somehow victim of or witness of sexual violence. Is that correct? Il aurait été plus probable qu'elles aient été victimes de violences sexuelles. Yes, that is correct. And réponse, oui, c'est exact. The target was rape. L'objectif, the prime c'était target le was vol. Rape. L'objectif and premier, the rape within the forced marriages et puis le viol dans le contexte so du mariage forcé était l'un des objectifs. But the rape came ce n'était pas d'abord le mariage forcé, mais plutôt le viol. Within the marriage. Et un viol commis dans le contexte du mariage. And then, of those 100 most likely to be somehow victim of sur sexual violence, ces 100 personnes qui auraient été probablement victimes approximately 10 de violences who were sexuelles, eyewitnesses or 10 auraient été such, correct? Témoins oculaires ou victimes en tant que telles. Est-ce exact? That is correct, but I cannot oui, give c'est you exact, the accurate number mais je ne peux pas vous donner I un chiffre exact the interviews car that j'essaie I conducted. De me rappeler des entretiens que j'ai menés. Now, this is now clear to me, but do you la défense, then agree with me c'est bien that, clair pour moi, mais convenez-vous. The only things que that you can actually say about experiences tout ce que vous pouvez effectivement dire sur les expériences des femmes is based upon those, en ce qui concerne le mariage 100 in-depth interviews, se fonde or maybe those sur 10 eyewitnesses. Ces 100 entretien approfondi ou sur ces 10 témoins oculaires that would constitute very anecdotal evidence rather than sur des faits qui constitueraient des preuves anecdotiques
et non pas un échantillon de pratiques généralement commises. President, you may now proceed, Mr. Deputy Co-Prosecutor. Your Honor, I object to the question on the basis that the witness has given evidence of forced marriage le in relation to three reports de mariage forcé dans le cadre de trois rapports qu'elle a rédigés, qui ont été soumis à la Chambre. Il ne s'agit pas simplement du premier rapport de 2006 ou 2008. La question n'est donc pas pleinement complète quant au fait qu'elle peut extrapoler sur les mariages forcés qui auraient été généralisés. La question devrait donc être plus complète au regard de la preuve. La défense, pour les raisons du temps, je me suis limité à cette seule étude. Je ne vais pas embrayer sur ce que l'accusation suggère, même si je comprends sa suggestion. Convenez-vous, Madame, qu'en définitive, votre avis d'experte relativement à cette étude ne concerne que des preuves isolées women, and that doesn't say anything de ces about experience 1500 of other women de or men, 10 in relation to de 1600 femmes. Il ne dit rien au sujet de l'expérience des hommes et des femmes sous le Kampuchea démocratique. Et vous n'avez aucune base pour faire des conclusions générales sur la politique du mariage. Est-ce exact? Réponse. La recherche ne faisait pas mener des enquêtes sur la politique. C'est la réponse que je donnerai à votre dernière question. C'est vrai qu'on ne peut pas généraliser les voix de ces femmes en tant que of those women or men who are forced pour dire qu'elles étaient, qu'elles représentaient absolument les hommes ou les femmes qui ont été forcés de se marier sur le Kampuchea démocratique. Ça, c'est dans le cadre de ma première recherche. Mais ma recherche de suivi confirme une tendance similaire au mariage forcé et que ces mariages étaient et que les personnes étaient forcées de se marier sur le Kampuchea démocratique. La défense. Quelle autre étude avez-vous menée qui vous ont poussé à conclure que ces études sont représentatives et ces études vous permettent d'extrapoler? Qu'avez-vous fait différemment dans les deux autres études? Réponse. Je n'ai pas utilisé une méthode différente, sauf pour la troisième étude. Nous n'avons pas spécifiquement posé des questions sur les violences sexuelles. La première et la deuxième étude se focalisaient sur les violences sexuelles et nous avons expressément posé des questions sur ce sujet. Ce n'était pas les mariages forcés, mais plutôt les violences sexuelles. From my interviews with so many people, I could draw a pattern. D'après mes entretiens avec de nombreuses personnes, j'ai pu dégager une tendance. Ce n'était pas difficile pour moi, et c'est là mon avis. La défense, je comprends. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un exemple contemporain, pour voir si je peux éclaircir mon propos. If I would go to election meeting. Si je parle des réunions électorales aux États-Unis, par l'un des candidats présidentiels, Trump par exemple, toute personne participant à cette réunion dirait qu'elle vote pour Trump.
during the elections, mais ça ne veut pas dire que tout le pays, months, will vote for Trump as well. Lors de la prochaine élection, dans quelques mois, votera également pour Trump. Taking that example, que tout le pays votera in pour the back Trump. Of your mind, avec cet exemple, what did you do to avoid à l'esprit, this bias, qu'avez-vous fait pour éviter in those two other circles? Ce parti pris dans les deux autres études? Thank you very much. Réponse, for merci. The second research, it was biased. La deuxième as in the étude first research, était biaisée. According to what you said, I targeted only comme la première, d'après ce que vous avez dit, j'ai ciblé uniquement les minorités sexuelles qui ont été identifiées in the Khmer Rouge time, et leurs expériences sexuelles sous le Cambodge démocratique, y compris les mariages forcés. J'ai rencontré beaucoup de minorités sexuelles qui ont été forcées de se marier. Ça, c'est pour la première étude. La deuxième étude a été élaborée de manière que j'ai voulu recueillir les récits et les voix des hommes et des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. La troisième étude, qui était assez large, se focalisait sur les grossesses. Il y avait un parti pris dans ce sens. De nombreuses femmes étaient enceintes sous les Khmer Rouge. C'est dans ce contexte, c'est dans la portée de cette étude que j'ai voulu documenter les femmes enceintes sous les Khmer Rouge. Beaucoup de femmes ont parlé de mariage. On n'a pas pu s'empêcher de leur demander comment elles sont tombées enceintes. Il a fallu aborder des mariages. On ne s'était pas basé. La troisième biaisée. La troisième étude était aléatoire. J'ai amené mon équipe dans un village. À bord d'un camion, nous sommes arrêtés. Nous sommes dispersés dans le village. Nous avons rendu visite à chaque famille et nous avons demandé, y a-t-il quelqu'un qui a été enceinte sous le Khmer Rouge dans cette famille? S'il n'y en avait pas, on passait à une autre famille. Nous avons procédé ainsi dans plusieurs localités pour retrouver les femmes enceintes. C'était donc un sondage aléatoire. La défense, j'aimerais poursuivre, mais j'ai déjà pris beaucoup de temps de ma consoeur et je vais donc m'arrêter ici. Je vous remercie. President, thank you, counsel. You may now proceed. Counsel for Mr. Kyu Somphone. Merci, maître. Counsel for Mr. Kyu Somphone. L'avocat de Kyu Somphone, la parole. Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président, honorable juge. Good afternoon, Madame. Bonjour, expert. Toutes les parties. I am the bonjour, national Madame co-counsel for Mr. Kyu Somphone. I have je suis le co-avocat a set of questions to put to you in relation to methodologies of en ce qui your concerne la méthodologie study. De votre recherche et de vos études. I want to ask about the age range of the interviewees. De la tranche d'âge des personnes interrogées. You made mention about your report and also you specified before the chamber that you interviewed vous avez dit à la chambre people who avoir were over 10 years old back in the DK regime. Qui était âgé did de you plus de have ans the report on the statistic or demography of people, particularly? Did you note about the age range of those who who were interviewed by you la tranche d'âge about des the DK period? Que vous avez interrogé sur President, la you may now proceed first, Mr. Deputy Prosecutor. L'accusation à la parole, Monsieur le Président. L'accusation. Un point d'éclaircissement. Je me demande de quel rapport l'avocat veut parler. Est-ce E3/1659, E3/1654 ou E3/1655? S'agit-il du premier, du deuxième ou du troisième rapport pour que cela soit clair pour l'expert? Lawyer, I am asking about the first report by the expert. Ma question porte sur le premier rapport de l'experte. Do you find that excerpt from the report, if you have found it, please provide your response. Avez-vous retrouvé cet extrait du rapport? Si oui, veuillez répondre.
I'm sorry, I do not recall the age range. Je m'excuse, je ne me souviens pas de la tranche d'âge et qui était le plus âgé ou le plus jeune et quel était l'âge moyen. Ça, c'est pour ma première recherche. Mais les instructions données aux sentinelles étaient très claires. Nous voulions interroger des personnes qui ont subi des violences sexuelles ou qui en ont été témoins. C'est ce dont je me souviens. Lawyer, thank you. La défense, merci. Regarding the marriages in the DK. En ce qui concerne les mariages sur le Cambodge démocratique. Did you conduct a study or research about the numbers of people who got married sur at the time? Did you conduct a research or study of how many people were forced to marry at the time and how many people were not? Sur le nombre de personnes qui ont été forcées de se marier à l'époque. Et sur ceux qui ne l'ont pas été. Bonne question, je ne l'ai pas fait. J'envisage de faire cette recherche particulière à partir du mois prochain pour identifier le pourcentage de mariages forcés sous le Khmer Rouge. Je ne l'ai pas fait et j'aimerais savoir. Thank you. La défense. I have another Merci. Question about J'ai une autre question. The marital rape. Et sur le viol conjugal. You discussed a lot about this issue. Vous avez longtemps abordé ce point. But I want to explore further. Mais je voudrais l'explorer davantage. You have done the research about the society of Cambodia. Avez-vous mené des recherches sur la société cambodgienne, en particulier 1975 avant regime? And 1975 et après 1979. I want to know if marital rape was really codified si in the law before 1975 and after 1979. Dans la loi avant 1975 et après 1979. Réponse non, la loi cambodgienne ne dit pas explicitement que le viol conjugal est un crime, mais le viol en est un. Et je comprends que cela comprend le viol dans le contexte du mariage. Counsel, thank you. Could you La défense, tell merci. The chamber when exactly did Cambodia Pouvez-vous dire à la chambre include the marital rape quand in the law? Exactement. Est-ce que le Cambodge a intégré dans sa législation le viol conjugal? I'm very sorry, I may be wrong, but Réponse, even now the criminal je m'excuse, je peux me tromper, Cambodia mais même jusqu'à présent, le droit pénal cambodgien ne dit pas explicitement que le viol conjugal est un crime, mais je peux me tromper, je m'en excuse. Concerning another issue about the forced marriage, une autre question sur les mariages forcés. I want you to clarify for the chamber. Veuillez préciser. For example, if a proposal is made to si a daughter and the daughter refuses that proposal, une fille qui rejette cette proposition, and in such a case, the parents are trying to persuade the daughter to agree cas, with the proposal. So how would they do to encourage the daughter to accept the proposal? Comment peuvent-ils s'y prendre? It depends on the family. Réponse, so tout I dépend de la famille. Generalize. Je ne peux pas généraliser. But as I noted before,
comme je l'ai relevé plus tôt, women who de nombreuses jeunes femmes célibataires to decide on their marriages. Qui avaient des filles attendaient de leurs parents qu'ils décident de leur mariage. Il était donc rare, voire radical, qu'une fille s'oppose à la décision prise par les parents. If she could make an objection, the parents si elle s'y may opposait, try to encourage by either speaking, les parents pouvaient essayer de l'encourager en lui parlant ou whatever means, if la privant de sortie really stick onto that marriage for some reasons. Ou tout autre moyen si les parents, pour une raison ou pour une autre, tenaient à ce mariage. Counsel, thank you. La défense. Je vous remercie. I have a final question, perhaps, j'ai une dernière in question. Relation to the divisions of marriages into different types. Relative and, à la catégorisation divided, des mariages. Two types of marriages. One is the vous forced marriage. Deux types de mariage. Another one is the marriage with the consent. Et les mariages consentis. But now I want you to make a distinction between the marriage, I mean the forced marriage, and the traditional marriages, and marriages recognized by laws. Could you make a distinction between the two? Reconnus par la loi. Pouvez-vous faire une distinction? Mr. President, you may now proceed, Deputy Co-Prosecutor. L'accusation à la parole. It's not the evidence correctly stated. Ce n'est pas ce qu'a dit l'experte. L'experte a dit qu'il y a deux types de mariages, les mariages forcés et les mariages autorisés. Elle n'a pas parlé de mariage par proposition. C'est différent. Si on parle bien de la période de Kampuchea démocratique. Juge Fens, cette question, on y a déjà répondu à deux ou plusieurs reprises. S'il n'y a pas un point de mésentente ou d'incompréhension, veuillez procéder, veuillez passer à autre chose. Counsel, I may not have la défense, understood je n'ai peut-être pas compris however, as les réponses de l'experte. Based on the translation, I did not hear about the issues. Mais dans I have heard about the traditional marriages, je n'ai pas but there, were, there are no comparison between the mais il n'y a pas eu de marriages, traditional marriages and marriages authorized by law. I believe that there has some difference element in the, my questions. Qu'il y a President, you des éléments différents may proceed, counsel. Dans ma question. Le président, counsel, vous pouvez yes, I give the floor to the expert to explain. Maître. La défense. Yes, je passe la so parole much. À l'experte pour so qu'elle s'explique. Traditional marriages réponse. Merci. Les mariages traditionnels to the DK period, étaient majoritaires sous le Kampuchea démocratique. Pour la plupart de ces mariages, ils n'étaient pas enregistrés au bureau the local. Marriage, according to the family law of Cambodia, le mariage local, period, selon la loi sur le mariage au Cambodge, après le Kampuchea démocratique, exigeait des couples qu'ils enregistrent leur mariage. Mais avant le Kampuchea démocratique, married, like we call it de facto marriage, on parlait de mariage de facto. And la communauté, les familles et les personnes concernées s'accordaient. But it was not in the official registration pour contracter of the le mariage paper, qui n'était pas enregistré so selon l'état difference. Civil. And nowadays we have the legalized marriage c'est là la that différence. Aujourd'hui, nous avons le mariage légalisé qui exige de tout le monde qu'ils enregistrent les mariages à la mairie. Counsel, thank you. Madame expert, la défense, merci, I have a follow-up question for you. J'ai une question de suivi. Concerning the marriages in the DK. Concernant les mariages sous le Kampuchea démocratique. The authorization for the couple to become
husband and wife, did this kind of authorized marriage considered a legalized one or illegal marriage? Était-il considéré comme un mariage légal, légalisé, ou alors un mariage illégal? I'm sorry, I have no idea because I do not recognize any law réponse, in the DK period. Je n'en ai aucune idée. In regard to je the civil matters. Ne reconnais so aucune loi legal relative à l'état matrimonial sous le Kampuchea démocratique. Je ne peux donc pas dire si c'était légal ou pas. Madame Okun, Counselor, thank you. Could you la défense, merci. Explain or clarify for the chamber in the DK period? Pouvez-vous expliquer à la chambre? After marriages, the sous le newlywed démocratique, became après le mariage, husband and wife, and they were recognized by the local authority. Is that the case? Par les autorités locales. Est-ce exact? That's right. Réponse, oui, c'est vrai, ils étaient autorisés et reconnus comme étant mari et femme. Et je suppose qu'il y avait un registre des mariages sous les Khmer Rouge. Counsel, I thank you very much. Merci. I j'en ai terminé. Have no more questions cela to dit, put to the expert, Mr. President, but Monsieur my colleagues, my esteemed colleagues, I have other questions. A des questions à poser. I seek the floor for her, President. You may now proceed. International je Council vous en prie, for Mr. Kizimfan. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour. Madame Nakagawa, je m'appelle Anta Guissé, je suis avocat international de Monsieur Kusampan et compte tenu de toutes les questions qui vous ont déjà été posées, je serai brève, je vais essentiellement aller sur des points sur lesquels je voudrais quelques clarifications. Ma première question est en rapport avec ce que vous avez indiqué sur la manière dont vous avez effectué vos études, que ce soit le premier, la première, deuxième ou troisième étude sur la maternité. Est-ce que systématiquement, pour toutes ces études, vous aviez des formulaires préétablis pour les trois? Have pre-established forms for all three of them? Excuse me, I want to confirm. Excusez-moi. Pre-established meaning that systematic. Quand vous parlez format d'établir, right? Yeah. Vous parlez yes, d'un questionnaire, d'un had, format systématique, oui, bien. All my studies, not c'était only le this, cas. All my studies, research is about pas seulement women, pour ce cas-ci, mais dans tous les cas de recherche sur les femmes, il y a un format, data. Un questionnaire pour recueillir des données quantitatives. Là, je voudrais savoir si, en ce qui concerne votre première, enfin deuxième recherche, c'est-à-dire celle qui est en rapport avec le document E3-2959, qui est Gender-Based Violence, sur celui-là, est-ce que dans ce formulaire, il y avait des questions qui étaient dirigées sur la localité et les responsables locaux dans lesquels vous interrogiez les gens d'où étaient originaires les gens que vous avez interrogés. Je précise, est-ce que ça faisait partie d'un angle de votre recherche de savoir qui était en charge, est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était une femme, qui était cette personne responsable? Le président, l'accusation a la parole. Floor is given to the deputy co-prosecutor. L'accusation. Your Honor, maybe a translation issue, c'est peut-être un problème d'interprétation, mais E3-2959, c'est sa première étude et pas la deuxième, pour que tout soit clair dans la transcription. Je pense que ce n'est pas un problème de traduction, c'est ma langue qui a fourché. Votre première étude E3-2959. Est-ce que dans la question portait sur cette étude-là, gender-based violence? This was the study I was referring to, gender-based violence. If I'm
Si j'ai bien compris, il s'agit de ma première étude. Et si oui, ma réponse est non. Dans le questionnaire, il n'y avait pas de questions précises visant à savoir si le chef des Khmer Rouges, en l'occurrence c'était un homme ou une femme, ni sur le point de savoir qui a ordonné le mariage. Le président. Madame l'experte, veuillez patienter, nous n'avons pas entendu la traduction en Khmer. Maître, je vous Madame, en prie, poursuivez counsel, l'interrogatoire. You may proceed with the question. Je vous remercie. Thank you. Donc, j'ai compris que ce n'était pas, ça ne figurait pas sur les formulaires que vous avez effectués. Ma question suivante, c'est sur votre dernier rapport, Motherhood at War, document E3-10655. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez, comme ce n'était pas spécifiquement votre angle de recherche, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé de savoir qui étaient les personnes responsables dans la localité, hommes, femmes, et éventuellement le nom de ces personnes? Ne serait-ce que pour éventuellement recouper des interventions, des témoignages, des entretiens de la même localité. Il s'agit des lacunes dans l'information, et c'est ça que je veux recueillir dans les prochaines recherches. Dans les questionnaires, il n'y avait pas de questions portant précisément sur le rôle. In case of the marriages, the who was the one who ordered the marriage or who presided the marriage. Sur la question de savoir qui a ordonné le mariage ou qui l'a ordonné. C'est seulement dans les interviews approfondies que nous avons posé la question. Au cas où l'intéressé a épousé un Khmer Rouge, là, nous pouvions poser des questions plus approfondies, mais de façon aléatoire et non pas systématisée. Je vous pose cette question parce que tout au long de votre déposition, because à chaque fois, vous dites les Khmer Rouges. Donc, ma question est de savoir est-ce que c'est un terme qui était utilisé par les personnes avec lesquelles vous entreteniez. Est-ce qu'elles disaient les Khmer Rouges? Est-ce qu'elles utilisaient le mot Ankar? Est-ce qu'elles disaient le responsable de village? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez consigné quelque part dans vos notes et dans vos formulaires, à savoir quel était le mot qui était utilisé pour définir l'autorité par les personnes interrogées. Merci beaucoup. Les gens ont employé toutes sortes de mots différents. Je me souviens que lors des premières recherches, à chaque fois, j'ai entendu le terme Kamapibal, cadre. Beaucoup de gens répétaient ce mot qui était nouveau pour moi à l'époque. En 2014, quand j'ai fait des recherches et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pratiquement plus entendu ce terme. J'ai entendu Apot, Ankar, Khmer Khorom, toutes sortes de termes ont été utilisés pour désigner la personne incarnant l'autorité. Et donc vous, lorsque vous utilisez le terme Ankar dans vos écrits, c'est vous qui choisissez ce terme. Ce n'est pas en lien avec forcément ce que les gens vous ont donné comme information dans le cadre de leur entretien. That's correct. Yes, in the motherhood book, effectivement, dans le livre Motherhood, je ne pense pas avoir employé le terme Ankar, mais bien le terme les Khmer Rouges, ou KR, et ce dans tout l'ouvrage. Question aussi que je voulais vous faire préciser. Vous avez évoqué hier
je crois, les différents critères que les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu ont évoqués sur les critères qui étaient utilisés par les cadres qui procédaient au mariage pour sélectionner. Et vous avez indiqué notamment, et c'était donc hier, un petit peu après 13h34, entre 13h34 et 13h36, et vous dites, vous ne pouvez pas dire que les critères étaient uniformes. Par exemple, certaines personnes étaient autorisées lorsqu'elles étaient dans une certaine fourchette d'âge, lorsqu'elles étaient âgées de plus de 20 ans ou de 25 ans, de se marier. Fin de citation. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la question de la tranche d'âge. Nous avons entendu plusieurs personnes qui, effectivement, ont beaucoup évoqué la notion de vingtaine d'années pour l'âge prérequis pour pouvoir se marier. Ma question maintenant est de faire une comparaison avec la période pré Campuchia démocratique, donc avant 1975. Quel était, si vous le savez, si vous avez fait des études sur ce point, quel était l'âge moyen de mariage chez les femmes avant le Campuchia démocratique? Before the democratic Campuchia regime. From my research, d'après mes recherches, en général, les femmes se mariaient avant 20 ans, donc à 16 ou 17 ans. En effet, elles n'allaient pas longtemps à l'école, ou bien elles n'y allaient pas du tout. Et donc, au moment de la puberté, donc vers 14 ou 15 ans, les parents commençaient à chercher un époux pour leur fille. Et ensuite, vers 16, 17, 18 ans, le mariage avait lieu. Mais en tout cas, avant d'atteindre 20 ans. Et de vos recherches, est-ce que vous avez pu conclure que l'âge de mariage pendant le Campuchia démocratique, au moins pour les femmes, était plus élevé pendant le Campuchia démocratique que pendant la période avant et éventuellement après, si vous avez des éléments sur la période post-Campuchia? Et peut-être dans la période après le régime DK, si vous avez des informations sur ça. C'est quelque chose de très intéressant. Je pense que oui, je pense que vous allez dans le bon sens, mais la situation a beaucoup varié sous les Khmer Rouges. Les filles les plus jeunes à se marier de force et que j'ai interrogées avaient 14 ans. Donc à nouveau, je ne peux pas généraliser, mais en général, à mon sens, les femmes qui étaient dans la vingtaine étaient soit invitées, soit forcées à se marier. Donc, chez les femmes, on pourrait dire que l'âge moyen du mariage était plus élevé, comme vous l'indiquez vous-même. On a parlé, enfin, vous avez parlé avec ma consœur tout à l'heure, et un petit peu aussi dans le cours de l'intégralité de votre déposition. Vous avez parlé du statut de la femme dans la société khmer traditionnelle. Vous avez également parlé du socle du mariage qui était essentiellement familial avec l'accord des parents. C'est quelque chose qui découle, mais je voudrais être sûre de confirmer que la question du sentiment amoureux comme un préalable nécessaire au mariage, ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture traditionnelle khmère. Ce n'est pas ça qui est prédominant, le sentiment amoureux préalable au mariage. C'est exact. Avant le KD, les femmes étaient opprimées. On ne parlait pas de sexualité ou d'amour, et donc elles ne savaient rien de l'amour. Donc si
sur ce point-là, en tout cas sur la notion de sentiment amoureux préalable, il y a une similarité entre la période pré-Kampuchea démocratique et le Kampuchea démocratique. Dans la période pré-Kampuchea démocratique, ce sont les parents qui décident quel est le bon partenaire et quel est le bon époux. Et ce que vous avez indiqué être la position pendant le Kampuchea démocratique, à savoir que c'est les cadres, à tout le moins, qui décident qui est le bon partenaire pour l'épouse et pour l'époux pendant le Kampuchea démocratique. C'est une similarité sur ce point-là. So there's a similarity in that aspect. That's correct. C'est exact. And those who requested the marriage during the Khmer Rouge time, sous les Khmer Rouges, I would say it was very same. Only the living condition was c'était different. Analogue but those pour ce qui est de ceux qui demandaient le mariage, seules variaient les conditions de vie, mais pour les mariages forcés, c'était différent. L'absence d'amour, same, d'affection a pu être identique, mais les gens vivaient dans un climat de crainte extrême et ne voulaient pas se marier. Donc là, ce n'est pas la même chose. Un point que je voudrais vous faire préciser. A point that I'd like to ask you for clarification. J'ai compris de votre description des mariages arrangés avant le Kampuchea démocratique, l'importance de la tradition, l'importance de la volonté des parents que l'on suit aveuglément pour reprendre vos termes. Ma question est de savoir si ce mariage arrangé, que ce soit... première question déjà, est-ce que ce mariage arrangé a perduré après le Kampuchea démocratique ? Il existait avant le Kampuchea démocratique dans la forme traditionnelle. Là, je mets de côté la période Kampuchea démocratique et je m'intéresse à la période post-79. Est-ce que ces mariages arrangés ou seul la position et le desiderata de la famille compte, est-ce que c'est quelque chose qui a existé après 79 également? The position of the family counted strongly. Is this something that was maintained or resumed after the DK period? I think that's what I stated, that we have knowledge gap. Je pense avoir dit que les informations manquaient. Immediately after the Khmer Rouge, juste après les Khmer Rouges, après leur chute, et dans les années 80, nous ne savons pas comment les mariages ont été organisés ou réalisés. Il n'y a pas d'études sur ce point. Mais aujourd'hui, nous avons des données de recensement et d'autres données tirées d'études, et nous avons pu apprendre que la tradition subsistait et que beaucoup de filles la considèrent comme très importante. En termes de vécu sur ces mariages arrangés, que ce soit avant le Kampuchea démocratique ou après le Kampuchea démocratique, je sais que vous avez travaillé sur le genre au Cambodge, donc vous avez peut-être des éléments à ce niveau. Je voudrais une première question sur l'âge moyen aujourd'hui des mariages au Cambodge. Est-ce qu'on est autour de la vingtaine comme sous le Kampuchea démocratique, ou est-ce qu'on est revenu à une moyenne qui est plus jeune, et peut-être que vous voulez faire la différence entre la ville et la campagne. You'd like to tell us if there's a difference between cities and rural areas. Thank you so much. Merci beaucoup. To my knowledge, after the Khmer à ma connaissance, après le régime Khmer Rouge, les mariages d'enfants sont devenus très rares. Les enfants de moins de 18 ans n'ont plus été forcés à se marier dans de nombreux cas, exception faite des minorités ethniques. À ma connaissance, le ministère essaye de faire des recherches sur les mariages forcés parmi des fillettes très jeunes des minorités ethniques à ce jour.
Je pense que c'est un phénomène très rare. D'après le dernier recensement, si je ne m'abuse, l'âge moyen du mariage pour la femme cambodgienne est d'environ 24 ou 25 ans, et pour l'homme, c'est un peu davantage. Donc, si on compare l'âge moyen du mariage, on voit qu'il augmente, tout comme dans mon pays, le Japon. Au Cambodge aussi, les gens reportent le mariage. Je voudrais maintenant m'intéresser, parce que le temps file, à votre dernière étude, Motherhood, enfin, que nous avons en tout cas, Motherhood at War, donc document E3-10-655, et je voudrais confirmer avec vous, je crois que j'ai compris que vous avez entendu dans le cadre de cette étude 200 personnes, c'est bien ça? That's correct in regard C'est exact to the field interviews concernant les in interviews the de terrain dans But, ces provinces. We did a preparatory research Toutefois, nous avons effectué des recherches préparatoires à Phnom Penh avant chaque visite de terrain, avant d'emmener les étudiants dans les différentes provinces visitées. Je ne peux pas dire le nombre de provinces visitées, le nombre de visites, mais il y a eu aussi des recherches à Phnom Penh. Donc, au total, les transcriptions examinées devaient être au nombre d'environ 500, dirais-je. Et c'est sur ces 500 que vous avez fait la sélection des 200. And it's from these 500 people that you selected the 200. Is that correct? Le 200 est quelque chose que j'ai entendu et qui n'est pas sorti de votre bouche. Is the 200 something that I understood but it didn't actually come from you? Thank you very much for asking again. Merci beaucoup d'avoir à nouveau posé la question. Donc, 200 personnes, ce sont les gens interrogés dans les provinces, sur le terrain. Mais avant les visites de terrain, environ 500 personnes ont été interrogées en plus de ces 200 personnes. Ce livre se fonde principalement sur ces 200 interviews. Mais comme j'avais recueilli beaucoup de récits, intéressant, rapporté par mes étudiants, j'en ai intégré un certain nombre également dans le livre. Une question de façon générale sur votre méthodologie. Quand vous faites des enquêtes générales et après que vous faites, vous réduisez le nombre, est-ce qu'à un moment vous faites des sortes de statistiques avec point, pourcentage avant de réduire à vos 200 qui vous intéressent. Est-ce que vous faites des statistiques générales sur les conclusions, enfin, en tout cas les éléments que vous avez eus dans vos entretiens? Parce que comme vous l'avez vu avec mes confrères de l'équipe Nunchia tout à l'heure, la question c'est de savoir quand vous avez fait une sélection, sur le point de départ, quel était le pourcentage qui correspond à telle catégorie ou telle catégorie. Donc ma question est de savoir sur Motherhood à toi, est-ce que vous avez une sorte d'analyse, une synthèse de l'ensemble des interrogatoires que vous avez menés avant la sélection au nombre de 200? Before we met in total 200 people, avant de rencontrer au total 200 personnes, nous n'avons effectué aucune sélection. Those became mothers in the Khmer Rouge time, or their wives for the men. Il s'agissait seulement de femmes tombées enceintes sous les Khmer Rouges ou d'hommes dont la femme est tombée enceinte sous les Khmer Rouges. Pour les données quantitatives, elles ont été recueillies de façon systématique en fonction de l'âge moyen, de la proportion d'hommes, de femmes, proportion du peuple de base, nouveau peuple. J'ai une série de données sous format Excel, donc parfois le chiffre était petit, donc j'ai utilisé Excel pour générer les données en fonction des provinces. Et donc ça, ce sont des éléments que vous avez toujours à votre possession.
au moins sur la troisième étude. These are things that you still have in your possession, at least on the third study. Enfin, en tout cas, pour votre rapport de 3/2959 gender-based violence, mais est-ce que pour ce motherhood at war, vous avez gardé ces éléments de synthèse? That's correct. Only the first research that I did, c'est uniquement pour les premières recherches datant de 2006 que j'ai tout détruit moi-même. Mais pour les deuxièmes recherches sur la violence sexuelle contre les minorités sexuelles, alors là, j'ai conservé toutes les cassettes, tous les enregistrements. Et pour la troisième étude, Motherhood at War, là aussi, j'ai gardé tous les enregistrements. Et parfois, je réécoute leur voix. When I was pour me donner du courage, surtout quand je rédige l'ouvrage. J'ai voulu réécouter leur voix. J'ai tous les documents en ma possession. En fait, plus que les enregistrements, je voulais savoir si vous aviez des documents de synthèse. J'ai compris que vous aviez des documents sous format Excel, etc. Est-ce que vous aviez des documents en synthèse qui peuvent dire sur 500 personnes que j'ai interrogées, il y a 10% qui se sont mariées à telle date, il y a 10% qui se sont mariées à tel âge, etc. Est-ce que vous avez un document utilisable, je veux dire, pour avoir une vision globale de ces entretiens initiaux? Yes, I have for both two researches, the latest pour one. Les deux recherches, depending on y compris the, la dernière en date. Et ce, I en fonction des informations information, qui vous intéressent, peut-être que je n'ai pas tout, mais j'ai en tout cas encore ces séries de données. Un point que je voudrais aborder sur toujours Motherhood at War, mais qui est un point de façon plus générale, est-ce que dans les entretiens que vous avez eus, au cours desquels le mariage a été évoqué, est-ce que on vous a évoqué la possibilité de divorcer sous le constitutionnel démocratique? Oui, nous n'avons pas porté de questions précises sur le divorce sous les Khmer Rouges, mais j'ai interrogé une femme à Siem Reap qui a divorcé sous les Khmer Rouges et qui avait été mariée de force. Elle a dû épouser quelqu'un contre sa volonté. Le mari abusait d'elle très largement. Elle est allée trouver le chef de village avec sa mère. Ensuite, le chef du village lui a accordé le divorce. J'ai compris que vous n'aviez pas posé de questions spécifiques parce que j'imagine que ce n'était pas votre champ de recherche sur le divorce, that wasn't your field of mais research, en dehors de ce cas-là, est-ce but que that one case, je vais formuler autrement, est-ce que c'est cette personne qui vous a spontanément parlé de ce divorce et c'est pour ça que vous en avez fait état dans votre ouvrage et à l'attention de la Chambre et des Parties, c'est à l'ERN 01-322-864. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle vous en a parlé spontanément que du coup, vous l'avez mentionné? Est-ce que c'est une question que vous avez pu poser, même si ce n'était pas systématiquement dans vos questionnaires, mais c'est quelque chose que vous avez pu poser comme question à d'autres personnes également? La question du divorce n'était pas visée dans mon questionnaire. Il n'y avait pas de question précise sur ce point. Toutefois, dans les questionnaires relatifs à la grossesse, nous avons posé une question concernant les relations entre le mari et la femme. À partir de cette conversation, les femmes ont dit que les maris avaient été séparés d'elles, tués ou qu'ils avaient disparu. Et dans une conversation, une femme a dit justement qu'elle avait divorcé de son mari. De façon générale,
Vous avez indiqué, alors là je vais parler d'abord du mariage traditionnel pré-75, pré-campuchet démocratique. Vous avez indiqué que parler de sexe n'était pas une option par rapport au caractère pudique ou conservateur de la société cambodgienne de l'époque. Sans parler de sexe, est-ce que c'était possible pour une femme d'aller expliquer qu'elle avait des problèmes avec son mari, qu'il était violent avec elle? Est-ce que c'était quelque chose dont elle pouvait parler avec ses parents, dont elle pouvait parler dans la collectivité dans laquelle elle habitait? Est-ce que c'est quelque chose qui était commun de demander la médiation de quelqu'un en cas de problème au sein d'un couple, en dehors des problèmes sexuels? Problems in a couple, notamment excluding en termes de violence sexual problems, par exemple. For example, talking about domestic violence. No, it is not very common. Non, ce n'était pas très fréquent qu'une femme souffrant de la violence infligée par son mari ne le révèle à des tiers, même à sa mère. Ces cas donc étaient très rares. C'est justement pour cela, peut-être, que j'ai intégré ça dans mon livre. Je vois l'heure approcher, Monsieur le Président. Je n'ai qu'une. Du coup, je vais avoir une simple dernière question. Est-ce que dans le cadre de vos entretiens, vous avez évoqué la question des violences domestiques sous le Kampuchea démocratique et la manière dont c'était géré? Oui, il y a une question sur la violence domestique. Est-ce que ces personnes ont été témoins de violences domestiques ou avaient-elles subi des violences domestiques? La réponse était courante, il n'y avait pas de violences domestiques sous le Khmer Rouge. La première raison était que le mari et la femme ne vivaient pas ensemble. Ils ne se retrouvaient que quelques fois, soit tous les mois ou trois fois par mois, et lorsqu'ils se rencontraient, il n'y avait pas de dispute. Deuxième raison, in the community, en cas de dispute, the family, dans la communauté the Khmer Rouge qui comprend la famille, le Khmer Rouge punissait les personnes en litige. Si le mari usait de violence envers sa femme, il serait puni. En plus, j'ai également posé la question de savoir si les parents battaient les enfants, ce qui était courant avant le Khmer Rouge. Et c'était très très rare que les parents usent de violence envers un enfant, étant donné qu'ils ne se voyaient pas très souvent. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir attendu et patienté jusque-là, Madame Nakagawa. Waited up to this time, and thank you, Ms. Nakagawa. Le Président, merci, Maître. The hearing of the testimony of expert Kasumi now come to an end. La déposition de l'expert Kasumi the expert touche à sa fin. For your times during the two-day hearing, pour le temps your presence in this courtroom is important jours, and may contribute to the ascertaining of the truth in this case. Et peut contribuer à la manifestation de la vérité. The chamber wish you all the best. La chambre court officer in collaboration with Visu. Ses vœux les meilleurs. Please make necessary transport arrangement to send the expert to his to her home. Le témoin aux experts veut prendre des dispositions pour renvoyer l'experte à son domicile.
It is now a convenient time for the adjournment. Le moment opportun pour nous de the chamber will resume its hearing tomorrow, 15 September 2016, from 9 o'clock. À partir de 9 the heures. Hearing tomorrow, the demain, chamber hear the testimony of witness to TCW 854 and reserve civil party to TCCP 283. Please be informed. 283. Soyez informés. Security personnel are instructed to bring Kyusum Pon and Nguyen Chia back to the detention facility and have them returned to the courtroom tomorrow morning before 9 a.m. The court is now adjourned. À l'audience, à 9 heures. L'audience est levée.